Oui, je le pense. Et pour y arriver, ils doivent apporter d'autres, des astuces nouvelles, des idées nouvelles en complément à, avec ce qui est déjà, ce qui existe déjà, ce qui est déjà fait. Oui, dans notre contexte déjà, majoritairement, nous produisons à petite échelle, nous produisons sans pesticides. Mais là, nous sommes limités à produire, à faire une production familiale. Mais de façon à produire et de façon intensive, il faut déjà pouvoir démontrer que la production sans pesticides est aussi rentable, peut aussi donner la même rentabilité ou dépasser la rentabilité de lorsqu'on utilise les produits chimiques. Si le projet FABA parvient à démontrer cela, je pense que c'est possible.